Manoah, c'est le père de Samson. Et tous les deux, Manoah et son épouse, ont eu la visite de l'ange de l'Éternel et qui va leur annoncer la naissance de Samson. Donc je prends dans le livre des Juges au chapitre 13, je prends au verset 15, verset 15 à 21. Manoah dit alors à l'ange, « Laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. » L'ange répondit, « Même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. » Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui demanda, « Dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. » L'ange répliqua, « Pourquoi veux-tu connaître mon nom ? C'est un nom merveilleux. » Manoah prépara un chevreau et une offrande, et les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, les flammes du sacrifice montaient de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors ils se jetèrent visage contre terre. Manoah comprit qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Et l'ange ne leur apparut plus jamais. Voilà, et notre texte central d'aujourd'hui, c'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 21. Jean 21, les versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon, Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais à la pêche. Et lui dire, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris des poissons, mes enfants ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il avait passé de la mort à la vie. Voilà, nous terminerons nos lectures
avec deux versets que je prends dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. Et le deuxième verset se trouve un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 16. Ainsi, nous ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'un point de vue purement humain, maintenant nous ne le considérons plus de cette manière. Voilà, jusque-là, la lecture de l'Écriture sainte. Les liturgies héritées de la tradition